space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise, its continuing mission. To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. C'est Tintin, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve. Déjà, il y a un truc que j'ai oublié, que je viens d'oublier là à l'instant. Un truc primordial quand même. Mais joyeux Noël! Joyeux Noël, c'est le 5 décembre, donc joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un super réveillon. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. Et donc nous voici pour cette vidéo spéciale Noël. Oui. Donc justement nous y voilà. Donc ça va être un petit peu varié. Donc comme je l'avais promis, une vidéo spéciale Noël en cadeau. Donc j'espère que les 24 vidéos sur Lego Designer vous ont plu. J'espère bien. Surtout, alors je dirais que c'est surtout les vidéos telles que l'Enterprise Refit, ou alors l'Enterprise A de Beyond, ou même l'Enterprise tout court de J.J. Abrams. C'est surtout ceux-là qui vous ont beaucoup plu, c'est-à-dire que j'avais une centaine de vues au bout de 2 jours, donc c'était pas mal, quoi. D'autres vidéos, donc... Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous voyez, j'ai mon logiciel qui est ouvert, bon, voilà. Donc c'est avec celui-là. Alors, je voulais juste vous présenter un petit peu avec comment je filme. Donc, je vous présente Camtasia Studio. Donc voilà, 8, donc voilà. Oula, oh. Donc c'est un logiciel de montage vidéo, tout ça. Et donc voilà, donc ça est en train d'enregistrer depuis 1 minute. Voilà. Ah, ben voilà. Et donc vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez mettre des transitions, importer des médias, et tout ça. Ça bug un peu parce que c'est un peu lourd. Non, vous n'avez rien vu. Donc c'est la première fois que je vous montre mon ordinateur, comme ça, voilà, tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez une seconde. Il se passe quoi? J'ai pas compris. Non, il ne s'est rien passé. Non, désolé. Donc l'audio, tout ça, du texte. Voilà, rajouter du texte et tout ça. Les dessins. Et encore mieux. Alors, juste pour vous dire un truc. Si vous voulez faire des incrustations, si vous voyez ce que je veux dire. Des incrustations. Vous connaissez le fond vert? Oui, vous connaissez quand même. Et bien avec ça, vous pouvez le faire. Ah, oh, Spock! Bonjour Spock. Avec Visio Projective, je sélectionne la vidéo pour ceux qui ont Camtasia. Remove Color. Vous sélectionnez la couleur. Hey, Spock, il lui manque quelque chose. Il lui manque des couleurs quand même, hein. Je sais pas, il lui manque des couleurs quand même. Hein. Là aussi, il en manque. Hein. Mais bon, donc, c'est juste pour vous montrer un petit truc là pour ceux qui cherchent un logiciel de suppression d'arrière-plan. Voilà, donc voilà, parce que moi aussi j'ai cherché longtemps, alors qu'en fait le logiciel était juste sous mes yeux, mais littéralement quoi. Donc voilà, donc vous savez tout. Donc eh bien voici voilà comment j'ai organisé mon bureau avec my Enterprise. Enfin c'est l'Enterprise, c'est pas mon Enterprise. Alors je vais vous montrer aussi beaucoup de projets que j'ai. Alors il doit un petit moment. Hein. Beaucoup de projets que j'ai, notamment sur Minecraft, Lego Digital Designer. Ah, et j'avais dit une vidéo spéciale en cadeau. Mais évidemment, il faut qu'il y ait un cadeau. Et bien le cadeau, ce sera, je vous mettrai en description, vous pouvez télécharger tous les fichiers que j'ai de création Lego Digital Designer. Je vais vous le montrer immédiatement. Alors oui, donc voilà, dans documents, voilà, moi je me suis organisé comme ça, hein. Vous voyez que j'ai pas mal de trucs, c'est où j'ai déjà... Ah oui, Lego Creation, Models, Creations, et voilà. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à vous donner. Voilà, je vais vous donner tout ça. Tout ça. Donc voilà. Et comme ça, vous pourrez les améliorer chez vous, faire tout ce que vous voulez, et voir les instructions, parce que beaucoup trouvaient que mes vidéos étaient trop rapides, sauf que le problème c'est que c'était trop lent, ça va pas être captivant. Donc voilà. Bon, déjà, je vais vous dire, donc, sur Minecraft, j'ai fait pas mal de petits projets, oui. Donc là, on a... donc, je vais vous montrer. Alors oui, bon. Gravity, mais qu'est-ce que c'est que ça? Gravity, bah, c'est un mode que j'ai nommé comme ça, parce qu'en fait, je vais vous montrer. C'est grâce à un mode qui s'appelle, je crois, Gravity, je vous le dirai après. Voilà, c'est un mode qui s'appelle Gravity, et en 3.10, ou en autre version, je ne sais plus. Ça rajoute des blocs qui permettent d'ajouter une gravité. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est assez marrant même. Et donc j'ai d'autres projets tels que par exemple, vous avez vu sûrement le VST, oui, VST Saturn. Qu'est-ce que c'est, me dites-vous? Enfin, vous dites-vous plutôt. Enfin, voilà, vous vous demandez ça. Et peut-être. C'est un vaisseau que j'ai... Je vais juste un truc. Voilà. C'est un vaisseau que j'ai créé. Voilà, à l'aide de MC Edit et de World Edit. Donc un vaisseau que j'ai créé sur Minecraft, et donc là le pack de textures, que j'ai créé aussi pour l'occasion, alors que j'ai appelé 0, j'ai appelé texture pack 0, pas pourquoi, sûrement parce que je ne savais pas quel nom lui donner, mais bon bref, voilà, j'ai appelé comme ça. Et donc voilà, donc je l'appelle Saturn. Voilà, c'est un vaisseau original, qu'une autre chose. Vous voyez l'oreille que j'ai, je m'applaudis moi-même, c'est très bien. Et pourquoi M-01, je sais pas si c'était marqué ou pas, mais c'est son matricule. Matricule 01, tout simplement, c'est le premier vaisseau spatial terrien. Alors, donc, nous voici, nous voilà. Oh putain, ils m'ont remis les nuages, ils font chier. Oui, parce que j'ai changé de version. Option graphique, nuages désactivés. Je vérifie juste que tout est désactivé. Oui, je sais, sinon ça bug un peu. Alors, vous vous demandez, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est dans un trou à rats, là. On va descendre, je vais vous montrer le cœur, ce qui permet de générer la gravité. Ça bug un peu, je vous l'accorde. Non, il n'y a pas beaucoup de construction. Là, ça va, ça bug moins. Normalement, c'est quelque part par là. Ben voilà, ben c'est là. Je vous présente le générateur de gravité. Et voilà. Pourquoi il s'appelle comme ça, je vais vous montrer de suite. Il faut d'abord que je remonte, si vous le permettez. Attention, je vais faire spawner un mob. Attention, attention, attention. Attention les yeux. Ah, attendez. Oui. Alors, oui. Ah oui, j'ai renommé mes choses. Hein. Attendez une seconde. Mais pourquoi il a changé de texture? Je voulais pas comme ça, moi. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Alors voilà, donc, oui, bon, là, il est normal. Je te pousse là, toi. Alors là, il y a le vide, hein. Alors, attendez une seconde, je vais juste créature hostile, voilà, si on s'entend plus, c'est encore activé. Alors, vous me demandez sûrement, et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai changé de gravité. Alors, vous voyez ces squelettes, c'est... Oui, bon, maintenant, voilà. Et oui, je suis à l'envers. Bonjour! Oui, je suis à l'envers. Je suis à l'envers. Vous le voyez bien. Je suis à l'envers. La gravité est inversée. Je peux même les taper. Et ça change comme ça, c'est grâce au mode Gravity. Donc c'est un mode vraiment génial. Ce qui fait qu'on a le monde qui peut être carrément à l'opposé. Je vais vous le montrer de suite. Hein. Ah oui, bon, ça c'est du sable. Hein. Il est très moche. Vous avez le monde sur le côté. Tout est sur le côté. Ou devrais-je dire, vous êtes sur le côté plutôt. Et pas le monde. Mais vu comme ça, on dirait que c'est le monde qui est de côté. Et non vous. Enfin, c'est une histoire de point de vue. Vous comprenez? Et même si je vais sur le sol, je vais quand même avoir l'effet de gravité, vous allez voir. Par contre, je vais juste désactiver les créatures hostile parce que c'est ça qui fait bugger. J'ai pas d'ordinateur fait pour les jeux vidéo surtout. Ah, voilà, là, ça bug déjà moins. J'ai pas d'ordinateur fait pour les jeux vidéo, hein, donc vous doutez bien. Je vais y aller. Et le monde est à l'envers. Et même si je vais dans la pyramide, oui, c'est une pyramide. Ça se voit pas, mais c'est pas grave. J'y suis toujours. Je suis toujours comme ça. Le monde est toujours à l'envers. Oui, mais j'aime bien vivre comme ça, le monde à l'envers. Donc voilà. Ah, et là... Oui, je suis carrément sur le côté. Et là, je suis à l'endroit. Et si je retourne vers le cube, qui se trouve d'ailleurs là... Ah, ça fait trop bizarre quand on le voit comme ça. Comme ça. Oh, ah, je reviens sur le côté. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le mode Gravity. Que c'était cool. Voilà, que... ça bug, c'est génial. Et maintenant, ma meilleure création. Alors, je suis en train de construire le Prométhée, l'USS Prométhée de Stargate SGA. Stargate, Stargate Command. Donc, ça c'était autre chose. Voilà, ça aussi c'est autre chose. Ça aussi. Donc voilà, vous voyez que j'ai beaucoup de créations. Voilà, que je vous montrerai pas. Mais je vous mettrai certains en téléchargement. Et donc, heureux tout le monde, désolé, j'ai dû m'absenter un petit instant pour effectuer une action. Alors, donc le vaisseau est majoritairement fait à la main. Donc, vous voyez, donc ça, c'est les portes, les textures. Ça, c'est téléporteur. Bon, je me suis évidemment des trucs, inspiré des trucs existants, mais voilà, mais c'est un design original. J'ai voulu faire. Et donc voilà, donc les lampes et tout, donc j'essaie de l'équiper au mieux possible. Donc là, des escaliers pour passer d'un niveau à l'autre, d'un pont à l'autre, pardon, excusez-moi. On dit pont, des ponts. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il est très long, mais pas très large. Par contre, voilà. Alors toutes les chambres sont équipées, tout est équipé avec lit et tout, ciel étoilé, enfin on voit pas trop les étoiles, ordinateur. Alors me demanderez-vous, mais quel bloc est-ce? Un piston. C'est un piston. Et oui. Je dis, ça, je sais pas si vous l'avez entendu. Ça, c'est mon nouveau téléphone. Portable. Parce que j'en avais un ancien avant. Mais voilà, c'était Samsung. Donc c'était pas très bonne qualité. Je sais, j'insulte Samsung. J'en suis conscient. Et je l'assume. Alors, je vous le dis, faire cette texture animée, ça m'a pris un temps phénoménal. Pour faire tous les traits et tous les ondes, en tout cas, je trouve que c'est réussi. Je sais pas si vous trouvez vous, mais vous pensez ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai fait voulu. Ça, c'est une partie de la chambre hydraulique. Je dis bien une partie parce que j'ose même pas vous montrer le reste, hein, en fait. Alors, je vous montrer vite fait. Oh, puis merde, hein, vous aurez une vidéo qui vous montrera. Juste vous montrer la passerelle. Et puis voilà. Puis merde, je vais vous laisser le suspense. Il faut juste que je revienne jusque là-bas. Voilà, il va falloir que je vous laisse le... Oui. Ah! Par contre, j'ai écrit en français les ponts, hein, parce que normalement c'est deck, mais bon. Je trouvais que pont, ça faisait plus français. Alors là, c'est ça. Et donc j'ai dû m'absenter encore une fois, désolé. Donc, nous étions à la passerelle. Alors, à la passerelle, il y a plusieurs systèmes que j'ai fait. Donc, vous voyez là, VST Saturn M-01. Là, pareil, c'est écrit aussi. Il ressemble à ça. De point de vue de haut. Le truc tout derrière, c'est les réacteurs, hein, je vous rassure. Donc, j'ai fait toutes les textures moi-même, absolument toutes. Donc, j'espère qu'elles vous plaisent. Bon, ça, par contre, je l'ai pas fait. J'ai pris des images que j'ai rapetées ici, mais bon. J'ai fait un petit peu comme sur le Enterprise. C'est un petit peu comme ça. Alors, je vous montre un truc. Vous voyez le vert, là? Le vert. Je vais... Voilà. Il n'y a plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé, au cas où il se pèterait. Voilà, c'est celle que je voulais faire, voilà. Petit système, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'alerte rouge, attention. Préparez-vous à l'alerte rouge. Alerte rouge. Vous entendez? Et regardez, j'ai mis ça aussi pour... Là, j'ai remplacé des blocs. Et après, comment est-ce que je remets ça? Ah, t'es malin, comment tu remets ça maintenant? Comme ça. Alerte bleue. Et tout se remet. Ça m'a pris un temps fou de faire ça. Je vous le dis. Je vous le dis franchement, ça m'a pris un temps fou. Voici la suite de la chambre hydraulique. Ah, mais vous me demanderez... Mais elle fait quelle taille, cette chambre hydraulique? Elle fait une certaine taille, jusqu'à arriver au réacteur dont j'ai imaginé totalement le design. J'ai imaginé, voilà. Donc voilà, donc ça arrive là. Alors je vais vous faire des écrans là, des holographiques, voilà, je me disais que ce serait joli, puis c'est possible de le faire, hein, en vrai. Oui, parce que moi, je savais... J'essaie d'être assez logique. Donc il y a le système et j'ai parlé de le faire, ça va faire beaucoup bugger. Ça va arriver comme ça, un petit peu comme ça, parce que là c'est vertical. Voilà, donc je trouve que c'était sympa. Hauteur conventionnelle, tout ça, donc voilà. Donc ça c'est pour le... Voilà, c'est une partie du... Ce vaisseau. Donc ça c'était sur Minecraft que je voulais vous montrer. Maintenant, fini. Voilà, sur Minecraft, fini. J'en tiens combien de vidéos? 17 minutes, c'est bon, on continue. Elle va durer un moment. Alors, ah oui, je voulais vous remercier aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, je joue au Lego Designer. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre déjà, et surtout d'apprécier, voilà, de me suivre et d'apprécier mes vidéos. Ça, je suis vraiment très heureux que vous le fassiez tout ça, voilà, vous souteniez. Enfin voilà, je suis très content. Voilà, de manière générale. Et donc... Le seul souci, c'est que bah, les vidéos, je ne vais pas en faire éternellement. Ce que je veux dire par là, je me suis confié donc je me suis confié donc dans les commentaires à quelqu'un. Et donc j'ai dit que plus tard, dans un certain temps, j'arrêterai les vidéos. Et oui, je vais devoir arrêter les vidéos. Et oui, parce que je veux pas vivre ça, parce que je monétise pas mes vidéos. Si mes vidéos il y a des pubs, c'est parce que c'est droit d'auteur, parce que je mets des musiques, j'essaie de me faire de bonnes vidéos. Donc voilà. Donc voilà, donc je voulais vous confier ça. Donc voilà. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Donc, voici sur Lego Designer. Je vais vous montrer encore quelques trucs. Alors, donc récemment, donc, vous voyez... Alors, ça, c'est... Donc, vous aurez aussi le modèle. Ça, c'est un train. Alors, vous me direz, il ressemble au rouge de Lego. En effet, j'ai conçu ce train de manière à ce qu'on puisse se construire avec des briques bleues et à partir du train rouge de Lego City. Parce que je l'ai eu, et je me suis dit, rouge, c'est un peu moche. Je me suis dit, je vais tester une autre couleur et un autre design. Et donc, j'ai essayé à peu près de faire quelque chose de différent. Et donc, voilà, j'ai essayé de faire un petit truc. Je sais, c'est très ressemblant, mais voilà. le faire, donc voilà. En revanche, ce qui est totalement original, c'est ceci. Alors oui. Donc vous avez dû... Alors la vidéo, je l'ai postée hier, la veille de Noël, puisque justement c'est le cas, puisque c'est le Polar Express, c'est le nom d'un train à vapeur du film de Polar Express. Et donc voilà. Voilà, j'aime beaucoup et tout ça, donc je vous conseille de regarder pour Noël. Donc voilà, c'est... Et je vais le présenter sur Lego. Alors, ce train, je vais le... Attends, ah, j'ai fait une erreur. Donc, le train entier, avec... je vais vous montrer. Ça m'a pris beaucoup de temps. Le train entier, comme ça, je vais le mettre... je vais le mettre sur Lego Ideas, pour que peut-être Lego puisse le faire. Et ça, ça serait vraiment cool. Donc, je vous mettrai le lien dans la description si je le fais aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez, si vous le voulez, me soutenir et approuver ma création. Voilà. C'est sympa, mais bon, vous n'êtes pas obligé du tout. Hein, du tout. Du tout. Mais voilà. Voilà, c'était plusieurs créations. Et donc, vous voyez, j'en ai encore beaucoup. Beaucoup. Mais en fait, j'ai fait la majorité des vidéos. C'est-à-dire que j'ai plus beaucoup de créations à vous montrer en vidéo. C'est pour ça que je dis sûrement que je vais bientôt arrêter. Mais j'ai encore des créations qu'il faut que je fasse. Parce que on m'a proposé de faire l'intérieur des vaisseaux. Et ça, c'est ce que je compte faire en effet. Et dans un certain temps, parce que je compte déjà après, parce que 24 vidéos, je vous dis, ça a été horrible à faire. Oh, et puis c'est pour vous, je l'ai fait, pas pour moi. C'est horrible. Mais en tout cas, je vais faire une petite pause, d'1 mois, 1 ou 2 mois, donc le temps de prendre du souffle et de m'intéresser surtout à ma scolarité, parce que c'est ça le plus important quand même. Ah, c'est vrai, je l'avais pas vu celui-là. Ah. Attention. Ah, j'ai pas vu, j'ai l'exception aussi. Pff, je suis totalement stupide. J'ai fait des vaisseaux et je les ai même pas vus, j'ai même pas fait de vidéo dessus. Mais je suis stupide. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, mais je suis vraiment stupide. Ah oui, j'ai aussi une nouvelle série de Lego Designer, vous avez vu, donc les... peut-être pour la plupart, donc les micro-modèles... Enfin... Oh, les les compilations, et en fait je compte faire donc toujours des compilations de micro modèles, mais de tous les vaisseaux, donc voilà. Alors ça, c'est l'USS Faragut ou Faragut, comme vous voulez, ça dépend comment on le prononce. Moi, je le prononce Faragut, j'aime bien, que j'ai créé, voilà, à partir de... Ah non, il faut que je modifie, parce qu'il est raté. Voilà, vous l'avez en avant-première, vous avez un aperçu de tout ceci. Ça, c'est mes créations. Alors ça, c'est pas du tout une classe Surac, c'est un vaisseau vulcain. Ça, c'est un autre vaisseau, mais je connais pas son nom. C'est un ami qui m'a demandé de le faire. Mais en fait, j'ai fait le mauvais, j'ai pas fait la classe Surac, j'ai fait un autre vaisseau, c'est celui-là. Et c'est pas du tout classe Surac. Si vous savez ce que c'est comme vaisseau, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît me le dire dans les commentaires? Ça serait sympa, parce que je ne sais pas du tout quel vaisseau c'est, de quel vaisseau il s'agit. Je sais que c'est un vaisseau vulcain, qu'on le voit peut-être dans Star Trek Enterprise, mais alors là, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Histoire que je puisse faire une vidéo dessus. Donc merci. Et donc, ben voilà. Et donc voilà, donc c'est pas fini, attention, c'est pas fini. Et j'ai un autre projet, alors je vais vous montrer un extrait, c'est pas du tout, voilà. Mais ça, attention, alors c'est juste pour vous montrer comme ça. Alors, ce que vous voyez, c'est Enterprise E. Oui, je l'ai construit à partir du modèle que je vous ai fait en vidéo. Et j'ai construit aussi l'Enterprise E de 2009. ainsi que le NX01. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Je ne sais plus. Ah oui, le Vengeance. Donc voilà, c'est les vaisseaux que j'ai fait. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais les stop motion en fait. J'ai un projet de stop motion d'un film, d'un mini-film, un court-métrage que je vais appeler Star Trek Advent of Get Darkness. Et donc voilà, donc vous avez les effets spéciaux. Alors, cela date un peu. Je vous montre un petit peu. Alors, tout ça est fait avec du fond vert. Par exemple, ceci. Donc voilà, c'est... Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, c'est différentes scènes que j'ai voulu faire, voilà. Si ça veut bien charger. D'accord. Ok, c'est génial. Ça ne veut point marcher. Alors la planète que vous voulez, c'est une planète en polystyrène que j'ai fait en polystyrène, en bleu et vert. Mais je l'ai fait. Et j'ai changé les couleurs pour je ne sais quelle raison. Oui, mais j'ai compris, ça n'avait pas voulu se lancer. On ne m'aime pas. Même ça ne m'aime pas. Donc voilà, donc ça c'est la planète qui se déplace, vous le voyez. Alors ça c'est la scène 1, comme vous l'avez vu, où on arrive à la planète. L'Enterprise arrive à la planète. Si vous voulez, vite fait l'histoire, là c'est le début. L'Enterprise arrive sur une planète. Il veut faire ami-ami avec l'espèce qui vit dessus. Alors on dirait les États-Unis, mais c'est pas du tout les États-Unis, je vous rassure. Donc il veut aller sur la planète. Enfin, va faire ami-ami, mais sauf qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors donc là, c'est la scène où l'Enterprise il arrive à la planète. Alors c'est à refaire, c'est à refaire, je vous rassure. Je vous rassure totalement, c'est trop moche pour être pris comme ça. Et il ressemble plus du tout à ça, mon modèle, je vous rassure. Donc ça vous oubliez. Ça par contre vous gardez. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Vous demandez c'est quoi ça? Elle tire des torpilles à photons. Oui, elle attaque l'Enterprise. Donc qu'est-ce qu'il fait l'Enterprise? Hop, il évite, il esquive. Et c'est un peu bizarre ce qui vient de se passer, je suis d'accord. Il esquive la planète. Oups. Oui, et ça se passe comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Attention. Et passage en distorsion. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça, c'est... C'est vraiment rudimentaire. Je le ferai mieux, je vous rassure. Après, donc voilà. Ouais, à peu près. Ah, ça c'est l'introduction, la cinématique d'introduction que j'ai faite. Voilà, j'espère que ça vous plaire. Ça fait un petit peu comme le Star Trek 2009. Voilà, ça arrive. Ça c'est une image de... En fait, j'ai écrit comme ça Star Trek sur Lego Digital Designer. Voilà, comme ça. Je trouvais classe, donc voilà. Et un autre projet, encore je sais j'ai beaucoup de projets, mais j'en ai beaucoup parce que voilà. Un jeu vidéo Star Trek. Et oui, fait avec Python. Alors vous voyez, donc c'est sur l'Enterprise D. Donc vous le voyez. Donc je l'ai fait là, pixel par pixel. Ça a été long. Ça a été très très long. Je vous l'accorde. Là, un petit oiseau de proie. Petit, c'est pas le mot. Tout petit, tout petit. Et donc là, le jeu. Alors, le jeu est très très simple, je vous rassure. C'est le jeu le plus simple du monde. Un enfant pourrait y jouer. Attendez, il faut juste que j'ouvre avec IDLE pour y jouer. Je sais, vous ne serez pas obligé de faire ça. Parce que ça aussi, dès qu'il sera fini, vous le mettrez en téléchargement aussi pour que vous puissiez y jouer aussi. C'est un jeu tout à fait simple, juste bouger l'Enterprise. Donc voilà. Alors, vous voyez, donc ça ressemble à ça, un programme. Voilà, du texte, partout. Alors, donc je vais vous montrer. Normalement, ça devrait marcher. C'est censé marcher. Voilà. Donc, vous voyez l'Enterprise qui est là. Et voilà, donc là, j'utilise les flèches directionnelles du clavier. Et je peux donc le faire bouger à droite, à gauche. Et si j'arrive trop, game over. Et si j'arrive trop là, game over. Et on ferme. Voilà, ça c'était donc un parmi tous les projets que j'ai. Un autre que j'ai, c'est cette fois en 3D. Oui, en 3D cette fois. C'est, attendez, je vais vous montrer. Je crois que c'est ça. Bon, c'est pas sûr, c'est sur SketchUp, hein. Un logiciel de modélisation 3D. Donc je vais vous le montrer, hein. Vite fait, je restais ça. Et juste pour vous dire aussi, donc l'Enterprise que j'ai fait là en vidéo, je l'ai terminé. Je ferai dans un moment une vidéo dessus. Déjà, je vais vous dire, pour Noël, j'ai eu deux maquettes d'avions, un A350, un Airbus A350 et un Airbus A400M. Et croyez-moi, c'est beaucoup de travail. Donc, dans un moment, ne vous en faites pas. Mais j'ai aussi un autre projet à vous montrer. Si vous voulez, j'ai commandé quand je vous ai montré la vidéo de l'Enterprise, de la série originale, en maquette, avant je l'avais déjà commandé il y a un an pour les vacances d'été. Sauf que je l'avais raté. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai recyclé en un vaisseau que j'ai en fait détruit. Je l'ai déchiqueté et j'en ai fait un vaisseau détruit. Dommage de bataille. Ah oui, alors ça c'est rien. Ça, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Erreur, erreur, erreur. Oui, tout à fait, une grossière erreur même. Attendez, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Je sais, ça fait un peu long, ça fait combien de temps? 31 minutes. Il faut s'arrêter. Ah oui, juste pour vous montrer comment je m'organise. Voilà, ça c'est quand j'organise mon vidéo YouTube. Description. Là, j'ai toutes les descriptions. Je fais description de plusieurs lignes, tous les génériques de toutes mes vidéos. Alors, si vous voulez, je vais vous mettre aussi en description, ainsi que toutes mes vidéos Lego Digital Designer. Voilà, il y aura tout, le topo. Là, il y a toutes mes vidéos, toutes mes miniatures de vidéos Lego, qui y seront également. Ouais, alors, il y a quelque chose que vous ne deviez pas voir, que vous avez vu, mais que je cacherai. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Attendez une seconde. Voilà, SketchUp. Ah, nous y sommes. Nous y sommes. Le voilà. Il est là. J'ai fait en 3D l'USS Enterprise de la série originale. Je vais vous montrer vite fait. Je ne sais plus si je l'ai fini ou pas. On va bien voir. Allez. Petite ouvre. Après toutes les autres créations, à part celle-ci et d'autres, c'est pas moi qui les ai faites. Voilà. Par exemple, l'Enterprise de 2009, c'est pas moi qui les ai faites. Non. J'y arrive pas. Mais je suis en train de travailler dessus aussi. Vous voyez, j'ai énormément de projets en même temps et déjà, je vais vous dire, c'est un miracle que j'arrive à le finir. Alors le voici, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il y a encore du boulot. Oh oui, un sacré boulot, je dois vous dire. Oh oui. C'est un peu disproportionné. Donc voilà, ça donne ça, au final. Donc tout a été fait donc à la main. Donc voilà, attendez, je vais juste tester un truc pour voir si ça rend plus joli ou pas. Voilà. Ah, c'est déjà bien plus joli comme ça, n'est-ce pas? Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne comme ça, quand c'est bien nettoyé. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Ouais, à peu près tout, c'est à peu près tout, à peu près tout, à peu près tout. Je pense pas vous avoir montré des choses que vous ne deviez pas voir. Et bien non. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, si vous la regardez jusqu'au bout. Et donc je vous souhaite encore un joyeux Noël et de passer surtout de passer une très bonne année 2017. Ah oui, parce que je ferai aussi une vidéo pour le nouvel an, ne vous inquiétez pas. J'ai pas fini encore. Ah oui, ça m'était sorti de la tête. Et donc je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous!